Là, on est sur un écran tactile, vous voyez que c'est plutôt réactif et tout. Franchement, c'est plutôt pas mal. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se fait un petit unboxing présentation et essai d'un écran connecté compatible avec n'importe quelle voiture, même une voiture de plus de 15 ans, tant qu'elle a un allume-cigare ou une prise USB, tant que l'écran peut être alimenté. Il fonctionnera, c'est le CarPuRide W103. Tous les liens sont en description. 15% de réduction si vous commandez directement sur CarPuRide avec le code TAICARTV. Vous pouvez aussi commander sur Amazon. Tous les liens sont en description. Apple CarPlay, Android Auto et tout le tralala. On va tout voir dans cette vidéo. On commence tout de suite avec l'unboxing. Donc le packaging se présente comme ça. À l'intérieur, tac, tac, tac. On a du coup le fameux écran. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne une fois installé. Hein. C'est bien protégé tout ça. On a un support, la prise allume-cigare pour l'alimentation, une prise jack. Ça, je sais pas c'est quoi, un autre support, on va voir à l'installation qu'est-ce que c'est. Et ça aussi également, il va falloir lire la notice, voir à quoi ça sert tout ça. C'est parti, on passe à l'installation. Ce qui va le plus vous intéresser, surtout à l'essai. Donc très simple, hop, on prend un des supports, il y en a plusieurs en fait. On le met dedans. Attendez, ça s'oriente comme on veut, ok d'accord. Tac, on vient... Hop, clipser le truc pour le verrouiller. Ça s'orientera à notre guise. Tout simplement, je vais venir décoller ça. Donc moi, je l'ai mis ici sur ma voiture parce que c'est là que c'est le plus plat. Je vous conseille vraiment de mettre ça sur une surface plate. Voilà, bah là, ça bouge plus en tout cas. Clairement, ça ne bouge plus, c'est bien fixé. Le bras est bien extensible. Comme vous le voyez, ici, on a tous les connecteurs. Niveau alimentation, on est sur du type C. Donc vous allez pouvoir vous connecter directement sur une prise USB de votre voiture ou via la prise allume-cigare qu'ils ont fournie avec, le port jack, etc. De l'USB, une carte SD, la totale, franchement, ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien. Vous voyez que cette voiture, on n'avait pas d'écran intégré de base. Bah là, franchement, ça fait le taf. Franchement, ça gêne pas trop la vue et tout. On va voir ce que ça donne une fois allumé. C'est parti, on va brancher tout ça. Donc, très facile, hein. Hop, la prise allume-cigare, elle est là. Hop, je vais pas vous apprendre à brancher une prise allume-cigare quand même. Hein. L'USB type C que je vais venir connecter derrière. Là, j'ai directement branché câble jack et USB-C. Et ben, let's go. Écoutez, on va allumer tout ça, voir comment ça se passe. Je vais éteindre la clim. Bah, ça s'allume directement. Ok. Attendez, j'ai mon essuie-glace arrière. Ok. Bah, écoutez, c'est du direct au moins. C'est du direct. Bah écoutez, ça rend hyper bien, ça modernise la voiture directement, ça fait juste un petit peu peur pour les vols, quand on va peut-être laisser la voiture à l'arrêt, je pense qu'il faudrait mieux mettre quelque chose par-dessus ou quelque chose par-dessus le pare-brise, peut-être pour pas trop attiser la curiosité des voleurs. Donc là, on est sur un écran tactile, hein. On est sur un écran tactile, comme vous voyez, c'est plutôt pas mal réactif, on va voir l'utilisation, qu'est-ce que ça donne. Franchement, ça rend hyper bien, vraiment. On a du Android Auto, Apple CarPlay, etc., Bluetooth, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bah écoutez, c'est parti, on va essayer de se connecter. Donc là, on est sur Way sur CarPlay, il fonctionne à merveille, y a rien à dire, hein, regardez, hop, là, je suis sur le téléphone, boum, tac, directement, je vais baisser le son. Voilà, boum, y aller, ça nous met le trajet, c'est parfait. L'autre téléphone que j'ai, pardon, là je filme avec mon téléphone, n'a pas le GPS, là apparemment le GPS capte pas, c'est pour ça, hein, c'est pas du tout le CarPuRide, hein. Et ça fonctionne à merveille, il y a vraiment rien à dire, franchement. Bah écoutez, voilà, comme je disais, CarPlay Android Auto dans une voiture même qui n'est pas récente ou quoi, c'est une bonne petite solution, ce CarPuRide, entièrement validé, très bonne qualité de l'écran, hein, franchement, très fluide. Là c'est avec le téléphone que je fais ça, que quelqu'un d'autre fait ça, vu qu'on n'a pas le droit d'utiliser le téléphone au volant. Bah écoutez, il y a rien à signaler, hein, que dire de plus, le CarPlay marche bien, donc bon, on va se déconnecter du CarPlay, hein, vous connaissez déjà. Directement rentrer l'adresse dessus, je sais qu'il y a des CarPlay, vous pouvez même pas rentrer l'adresse dessus, hein, bah, y en a qui sont pas tactiles, etc. Là, on est sur un écran tactile, vous voyez que c'est plutôt réactif et tout, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc on va pouvoir rentrer directement, pas grand-chose à rajouter, hein, vous connaissez déjà CarPlay, je vais pas vous faire une description total de CarPlay, on est là pour tester ce CarPuRide et pas CarPlay. Rapidement, toutes les fonctionnalités, alors ePlay c'est Apple CarPlay si je me trompe pas, Auto c'est Android Auto, AirPlay c'est pour dupliquer l'écran de votre iPhone sur ce CarPuRide, donc ça c'est franchement pas mal, on va pas se le cacher. Lien auto c'est quoi, lien auto, ah bah non, c'est ça le screen mirroring,
le truc, ouais, AirPlay, je sais pas exactement ce que c'est, hein, vous m'excuserez, vous pouvez vérifier sur internet, en tout cas, voilà. Un equalizer pour gérer les réglages du volume, tac, Bluetooth, pour le Bluetooth, hein, tout simplement, voilà, on a les contacts, etc., vous pouvez gérer, vous pouvez avoir accès au clavier directement, là, je suis pas connecté en Bluetooth, hein, c'est pour ça. Tac, vous voyez, on voit au-dessus que là, je suis pas connecté en Bluetooth, avec la petite croix à côté du signe Bluetooth. USB, du coup, vous pouvez mettre une clé USB, à mon avis, bon, c'est peut-être que pour le son, je sais pas si vous pouvez mettre du média, peut-être que vous pouvez mettre des vidéos via clé USB, ça peut être plutôt pas mal, ça. Une carte SD, je sais pas, ce serait pas mal si on peut mettre de la vidéo là-dessus, via carte SD ou USB, franchement, ce serait plutôt pas mal. La radio, donc ça fait autoradio, hein, directement connecté. Ici, c'est connecté via prise jack auxiliaire, car cette voiture n'a pas le Bluetooth. Mais vous aussi, vous connectez en Bluetooth à la voiture. Tac, tac. Et les réglages, dans les réglages, on a haut-parleur de l'appareil, car oui, ce CarPlay Ride a un haut-parleur intégré. Conduite à droite, si jamais vous êtes en Angleterre. Là, ici, on a la liaison filaire ou non, si vous voulez vous connecter via filaire ou non. Ou Bluetooth, surtout pour Android Auto, Apple CarPlay, je crois. Ouais, c'est ça, c'est pour Android Auto, Apple CarPlay. Ici, on a la Wi-Fi, donc je sais pas trop à quoi ça sert cette Wi-Fi. Bon, faudrait aller voir dans la notice, hein, écoutez. On a tous les réglages. Vous pouvez connecter, à mon avis, une caméra de recul. Vous voyez, là, on a des radars de recul. Enfin, comment dire, je sais plus ce que c'est exactement. Bref. Les lignes de recul, pardon, là, pour voir si vous êtes bien parqué dans l'axe, etc. Donc voilà, on a une petite horloge, pardon, bien sympathique ici. Ici, on peut changer les fonds d'écran, apparemment. Voilà, vous voyez. Ici, on peut changer les fonds d'écran. Je sais pas si on peut mettre du média derrière, si on peut peut-être mettre les fonds d'écran de notre choix. Ce serait plutôt bien. Hop, luminosité. Luminosité très simple, hein, d'accès avec le bouton juste ici, les boutons volume très simple d'accès également. Et puis c'est tout, hein. Et puis c'est tout. Là, vous cliquez sur la maison pour revenir à l'accueil. Et puis voilà, c'est tout bête. Écoutez, là, on a changé de fond d'écran. Donc bon, Android Auto, Apple CarPlay, c'est surtout ce qui va nous intéresser, hein. C'est surtout ça. Vous pouvez, comme je vous disais, une voiture vieille de plus de 10 ans, vous pouvez faire, vous pouvez avoir Android Auto, Apple CarPlay dessus. Vous voyez, là, on est dans une voiture qui n'a pas d'écran de base, et grâce à ce petit CarPlay Ride, on a le Bluetooth, on a Android Auto, on a Apple CarPlay, on a l'heure. On n'a même pas l'heure sur cette voiture. On est vraiment sur quelque chose de basique. Donc ouais, c'est une solution plutôt pas mal, hein, qui s'adapte sur vraiment toutes les voitures. Vous voyez comment ça s'est fixé, c'est plutôt simple à fixer, très clairement. Voilà, on a toutes les connectiques qu'il faut, c'est plutôt beau, c'est vraiment même, ça fait son effet, hein, dans la voiture, ça la modernise d'un seul coup là, clairement. Ça la voiture rajeunit intérieurement. Directement là, elle gagne 5 ans, quoi, même plus. Je précise que je n'avais pas retiré le petit film par-dessus l'écran, comme vous le voyez dans le coin supérieur droit. On peut, il y a une petite languette là, vous voyez, le focus il se fait un petit peu mal. Donc voilà, il y avait un film par-dessus, donc peut-être qu'il y avait des petits reflets ou quoi dans la vidéo. En vrai, ça rendra encore mieux parce que là, le film il est quand même un petit peu balèze. N'hésitez pas à aller voir les autres produits que propose CarPlay Ride. Après, je crois que celui-ci, le W103, c'est un de leurs best-sellers. Pour conclure sur ce CarPlay Ride W103, j'ai roulé une centaine de kilomètres avec. En fait, on n'a rien à lui reprocher. Il fait entièrement ce qu'on lui demande, à savoir Android Auto et Apple CarPlay. Ni plus ni moins, enfin, vous pouvez lui en demander un peu plus, évidemment, mais bon, ne vous attendez pas à non plus pouvoir mettre YouTube, Netflix et tout dessus, mais en tout cas, Android Auto marchait à merveille sur la centaine de kilomètres que j'ai fait, rien à signaler. Waze, c'est très très fluide, le Bluetooth, il est réactif, niveau téléphone, etc., le clavier, etc., très réactif, ça marche à merveille, on nous entend bien, il n'y a rien à signaler. Surtout pour une voiture comme ça qui n'avait pas le Bluetooth de base, là, pouvoir mettre de la musique et tout en Bluetooth, vu que le CarPlay Ride est connecté par prise jack à la voiture et que le téléphone est en Bluetooth sur le CarPlay Ride, ça c'est clairement un gros avantage. Ouais, franchement, il n'y a rien à signaler, c'est apparemment, ça paraît qualitatif quand même. J'avais déjà entendu parler de CarPlay Ride, j'ai pas entendu de négatif ou quoi sur eux. Je pense que c'est une marque plutôt assez sérieuse. N'hésitez pas, si vous achetez directement sur le site de CarPlay Ride, passez par les liens en description, rajoutez le code promo TAICARTV tout attaché, TAYCARTV.
15% de promo en plus. Sinon, si vous commandez sur Amazon, passez également par le lien en description. Et puis c'est tout, j'ai pas grand chose à rajouter. Ça s'adapte sur toutes les voitures, donc n'hésitez pas, ça modernise pas mal votre voiture et c'est bien pratique. C'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Dakar, portez-vous bien, ciao bye.